Nous sommes présents pour faire cette importante annonce ici aujourd'hui à l'Université Laval, qui a piloté cette demande en partenariat avec le Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, qui contribuera significativement au financement de cette chaire. La professeure Subaro est membre du département de microbiologie, infectiologie et d'immunologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. J'invite maintenant la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour. Merci Serge, merci à vous tous, Eugénie, André aussi, j'ai vu André Darvaux, les collègues de la direction, l'équipe du Centre de recherche du CHU de Québec, Mme Goulet, présidente, directrice générale adjointe au CHU de Québec, au CHU de Québec, Université Laval, merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Et à tous les membres de la Faculté de médecine aussi, bref, je suis sûre que j'oublie des gens, mais à vous tous et toutes, je vous salue, je vous dis bonjour. Écoutez, extrêmement heureux de pouvoir aujourd'hui annoncer la création d'une chaire d'excellence en recherche du Canada, la sixième obtenue par l'Université Laval. C'est une annonce majeure parce que vous devez savoir que ces chaires figurent parmi les plus prestigieuses au monde et au Canada, très certainement. Elles font l'envie de tous. Elles nous permettent, et elle a permis à l'Université Laval, d'être attractive, de recruter des personnes de grand talent, et elles nous permettent aussi de rayonner à l'international. Six chaires d'excellence, ça met l'Université dans le peloton de tête au pays, et c'est certainement une source de grande fierté. D'autant plus qu'aujourd'hui, cette chaire que l'on annonce, bien, elle porte sur les virus respiratoires, et qui est un domaine de recherche où l'Université, le Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval, bien, figure comme des leaders dans ce domaine. Cette chaire vient aussi démontrer la qualité de l'écosystème, la qualité de ce qu'on a construit ensemble, en partenariat, autour de ce grand domaine de recherche. On a eu tout à l'heure la chance de parler du 50e anniversaire du Centre de recherche en infectiologie. On a déjà touché à quelques aspects de ça, mais je voudrais saluer le travail d'équipe, l'interdisciplinarité, les partenariats, l'innovation qui sont au cœur de ce projet, de cette chaire. Vous allez attaquer un enjeu de taille géant, un grand géant, devant nous, la préparation à la prochaine pandémie mondiale. Je dois vous dire que ce matin, quand je lisais mes notes, puis je me suis dit, non, mais c'est pas vrai, je vais parler encore de pandémie. Mais au moins, là, je vais parler de préparation pour la prochaine pandémie. On peut juste se réjouir à l'idée d'être mieux préparé lorsque cette prochaine pandémie se présentera à nous. Et encore une fois, de pouvoir voir nos collègues rayonner et s'illustrer en aidant la société tout entière à faire face à ce grand défi de santé publique. Alors, ce sera bien entendu une grande fierté. Maintenant, aujourd'hui, au-delà de cette annonce, c'est la grande fête de Mme Subaraho. Hein, professeur Subaraho, we are just so proud. You're an inspiration for all of us. It is a great honor for me to officially welcome you to Université Laval. We had the opportunity, obviously, to chat and exchange. You had such a brilliant career as an international leader of respiratory viruses. After great achievements in the United States and Australia, after playing a major role in the World Health Organization, we're grateful that you choose Canada, Quebec, and Université Laval to open a new chapter in your career. And we're also very proud to welcome you as the first woman to hold the Canada Excellence Research Chair at our university. Alors, bravo. Cette chaire, elle travaillera à l'interface des disciplines, évidemment en équipe,
Elle fera des liens entre la virologie, on m'a dit, le génie mécanique. Alors ça, j'étais très curieuse. Vous allez devoir m'expliquer ça. I'm a mechanical engineer. So I was like, is that a mistake? Is really that? So I'm curious. La biologie des aérosols, entre autres. Travailler en partenariat aussi avec des vétérinaires, des écologistes, des collègues de la faculté de médecine et avec l'industrie, notamment dans le développement de médicaments et de vaccins. Ce sera une installation de pointe au CHU de Québec, Université Laval, et on y étudiera les virus de la grippe aviaire, entre autres, et des coronavirus, deux pathogènes prioritaires. Alors, encore une fois, bravo. Merci à toutes les personnes qui ont préparé ce projet. Je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer, parce qu'on arrive aujourd'hui, là, on célèbre, la chaire est arrivée. Mais le travail qui a été fait pour pouvoir d'abord présenter l'idée de projet, ensuite être retenu, ensuite présenter la candidature, ensuite être retenu et finalement accueillir la professeure Subarao et pouvoir installer tout ce qui doit être installé pour qu'elle puisse développer sa recherche ici. Ça demande une contribution, un engagement de plusieurs personnes. Donc, je veux remercier toutes ces personnes, le vice-rectorat à la recherche, à la création, à l'innovation, bien entendu, les collègues Marc Ouellette et les partenaires qui ont travaillé à la préparation du dossier et évidemment à notre titulaire de chaire d'excellence en recherche du Canada aujourd'hui, professeur Subarao, et les membres du centre de recherche, la faculté de médecine. Vous voyez, ce sont des grands projets. Et grâce à un levier de 8 millions de dollars du gouvernement fédéral, à ça va s'ajouter d'autres millions. On peut anticiper un projet de 20 millions de dollars pour cette chaire, minimalement. Donc, c'est une très, très belle réalisation. We wish you all the best. A lot of fun with all of us and a great next stage in your career at Université Laval. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Madame Damo. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, cette nouvelle chaire de recherche est une belle collaboration entre le CHU de Québec, Université Laval et l'Université Laval. Professeur Subarao a déjà aménagé ses locaux de recherche dans l'axe maladies infectieuses et immunitaires au site du CHU, avec 48 chercheurs, 8 chaires de recherche du Canada de niveau 1, une chaire Sentinelle Nord, 11 chercheurs boursiers, 2 chercheurs membres de la Société royale du Canada, 4 nommés par l'Académie canadienne des sciences de la santé, 123 étudiants gradués, 21 stagiaires postdoctoraux, 70 professionnels de recherche, techniciens et infirmières, et près de 18 millions en subventions, bourses et contrats de recherche. L'axe maladies infectieuses et immunitaires se positionne toujours comme l'un des plus grands regroupements en son domaine au Canada, avec une excellente visibilité internationale. J'inviterai maintenant Mme Danielle Goulet, présidente directrice générale adjointe du CHU de Québec, Université Laval. Merci, Dr. Rivet, Dr. Simard, Mme Damour. Je pense que c'est le conjoint de notre jubilaire aujourd'hui. Bonjour, professeur Subarao et distingués invités. Je suis vraiment, c'est avec un grand, grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui dans le cadre de cette annonce de cette nouvelle chaire d'excellence en recherche. C'est une initiative qui marque une étape cruciale dans notre engagement continu à protéger la santé et à renforcer notre résilience face aux futures pandémies. La pandémie de COVID-19 a été un rappel brutal de la vulnérabilité de notre société face aux virus émergents. Étant du côté hospitalier, j'ai pu constater les dégâts de cette pandémie sur notre population ici et ailleurs. Elle a également mis en lumière l'importance vitale de la recherche scientifique et de l'innovation. Grâce aux efforts inlassables de la communauté scientifique mondiale, nous avons pu développer des vaccins en un temps record, améliorer les traitements et comprendre davantage les mécanismes de transmission des virus.
Aujourd'hui, nous capitalisons sur ces acquis pour aller encore plus loin. La chaire d'excellence en recherche que nous inaugurons aujourd'hui nous permettra de développer des stratégies de contrôle et de prévention innovantes. Cette recherche est essentielle non seulement pour répondre, mais aussi pour prévenir les futures pandémies. Le CHU de Québec Université Laval est fier de jouer un rôle de premier plan dans cette mission. Nous avons appris de la pandémie de COVID-19 que la collaboration interdisciplinaire, c'est la clé du succès. C'est ce qui nous permettra de franchir encore une fois une pandémie. On ne connaît pas la date, mais on sait qu'elle arrivera à un moment donné et j'espère que nous serons prêts, plus que prêts. En réunissant des experts de différents horizons, nous créons un environnement propice à l'innovation et à la découverte. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos partenaires, chercheurs, membres du personnel pour leur dévouement et leur engagement. Enfin, je pense que c'est ensemble avec le Centre de recherche, l'Université Laval, le CHU de Québec Université Laval et des chercheurs comme vous que nous continuerons à avancer avec détermination et espoir. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Mme Goulet. Maintenant, je vous présente la jubilée. Kanta Subbarao est une virologue, généticienne moléculaire et médecin chercheuse. Elle était directrice du Centre de collaboration de l'Organisation mondiale de la santé pour la référence et la recherche sur l'influenza. La professeure Subbarao était également professeure à l'Institut de Doherty, en Australie. Elle a été la chef de la direction des virus respiratoires émergents du National Institute of Allergic and Infectious Diseases. Elle est membre élue de l'Académie de l'American Academy of Microbiology et de l'Infectious Disease Society of America. Elle est également devenue membre élue de l'Australian Academy of Health and Medical Science en 2021. Elle a plus de 600 publications. Son facteur de citation est près de 50 000. Son facteur H est de 108, presque comme le mien. La pandémie COVID-19 a donné lieu à des avancées scientifiques vraiment remarquables, mais elle a eu des répercussions considérables sur la santé et les économies du monde entier et a mis en évidence des lacunes dans les connaissances qui doivent être comblées pour mieux se préparer aux futures pandémies. La CERC établira des liens interdisciplinaires entre la virologie, l'ingénierie, les sciences pharmaceutiques, la biologie des aérosols et la recherche clinique. Le programme formera la prochaine génération de scientifiques et renforcera les efforts de santé publique pour anticiper et se préparer aux nouvelles menaces pour la santé publique, soutenant ainsi la préparation du Canada aux urgences sanitaires. Je vous présente Kanta Subbarao. Bonjour. Même si j'espère l'être un jour, je ne parle pas encore français couramment, donc je ferai mes commentaires en anglais. Thank you very much, Madame Damour and Madame Goulet. It's a great pleasure and privilege to be selected for Canada Excellence Research Chair at Université Laval. The focus of this CERC is on the biology and control of zoonotic and pandemic respiratory viruses. The CERC is located at the CHU de Québec, Université Laval, within the Centre de Recherche en Infectiologie that is celebrating its 50th anniversary, and the Infectious Disease and Immunity Axis. My academic home will be is the Department of Microbiology, Infectiology, and Immunology at the Université Laval. I would like to tell you a little bit about myself and share my vision of the CERC. I'm a physician scientist. My clinical training is in pediatrics and pediatric infectious diseases. And my research training is in virology, specifically respiratory viruses. I have spent my entire career working on respiratory viruses, including influenza, both avian influenza, that is often referred to as bird flu,
and seasonal influenza viruses. I've also worked on SARS, MERS, and most recently SARS coronavirus 2. I work in the lab, but also as well on global policy, such as selecting the strains that go into the influenza vaccines and SARS-CoV-2 vaccines. The viruses that I've worked on belong to two major families, and they share two important features. Firstly, influenza viruses and coronaviruses infect many different animal species, and occasionally those viruses can infect humans. Such infections are called zoonoses. They can be mild, or they can be very severe, and they may not go on to spread, but they can cause significant morbidity and mortality. The second feature that these viruses share is that a few times every 100 years, a zoonotic virus can acquire the ability to spread from person to person through the air. If the population is not immune to that virus, to the novel virus, it can spread around the world in a global pandemic. So after the COVID-19 pandemic and what we've lived through in the last few years, I no longer need to explain what a respiratory virus pandemic is. But we've lived through an incredible time around the world, and there have been great advances in research and public health. But the COVID-19 pandemic has also revealed gaps in our knowledge and in policies that we must address together. Future zoonoses and respiratory virus pandemics are likely to be caused by an influenza virus, a coronavirus, or another family of viruses called paramyxoviruses. We're worried currently about avian influenza viruses, the highly pathogenic avian influenza viruses that have become established in wild birds and have spread from Europe, Canada, the United States, and now South America, and they're spreading into mammals both on land and in the sea. In a highly unusual event in 2024, these highly pathogenic avian influenza viruses infected dairy cattle in the United States. This is extremely unusual because we've never had influenza infecting cows. So the scientific, every time an avian virus or an animal virus enters a new species, it increases the risk that the virus could acquire the ability to transmit between animals or between people. And so our scientific community is watching very closely to see what's happening with the dairy cattle in the United States and the viruses that are now well established in birds through much of the world. In fact, right now, the only continent that is spared is Australia. However, I should say that a new pandemic could arise from a completely unexpected source. We were not expecting COVID-19. We weren't expecting the pandemic to be caused by a coronavirus. So we do need to be aware that that we could be surprised with the pathogen from a different source. So we need to be vigilant. We need to build collaboration with our veterinary and wildlife ecology colleagues as part of a One Health effort to prepare for the future. So the goal of the CERC that I will lead is to prevent and control future pandemics by enhancing our understanding of how and why viruses spread from animals to humans, how and why they spread from person to person. We'll explore viral characteristics, host, and environmental factors that drive the emergence and spread of novel respiratory pathogens. We'll investigate measures to reduce the opportunities for such emergence and spread, including medical countermeasures such as drugs and vaccines. University Laval is an excellent environment for this CERC for several reasons. The university has an outstanding infrastructure and ecosystem that will facilitate cross-disciplinary links between virology, engineering, aerosol biology, pharmacy, and clinical research. Colleagues in the Centre de Recherche en Infectiologie share a passion for infectious diseases research. They have the state-of-the-art facilities and technology platforms, and they have access to the high containment facilities that are important for work with SARS coronavirus 2 and avian influenza viruses. The university's faculties of medicine, pharmacy, science, and engineering
have committed to recruit 5 professors during the first 4 years of the CERC that will ensure the sustainability of this effort. I envisioned recruiting faculty with complementary expertise in different areas, such as ecology at the animal-human interface, mucosal immunity, airborne transmission, and the role of pharmacists at the front line in a pandemic, and antiviral drug and vaccine development. Our program will contribute to the training of the next generation of scientists and will inform and strengthen public health efforts to anticipate the pandemic threat posed by the emergence of new influenza and coronaviruses. I thank the Government of Canada and the University Laval for this amazing opportunity. My personal gratitude to Marc Ouellet, to Louis Flamand, Mariana Baz, and Jean-Philippe Marquis, and many others who are responsible for making this CERC happen. The success of the CERC will depend on ongoing support and collaboration from many of you in this room, at University Laval, at the CREE, and at the CHU de Quebec University Laval. And for this, I thank you in advance. Yes. Thank you very much, Professor Subaru. Chers collègues, amis, collaborateurs, merci d'être ici aujourd'hui pour cette superbe de belle annonce. Et je vous souhaite une superbe de belle journée en cette 50e anniversaire, justement, du Centre de recherche en infectiologie. J'aimerais remercier beaucoup Dr. Marc Ouellet pour son leadership, pour la préparation de cette chaire. Merci beaucoup, Marc. J'aimerais aussi remercier le Dr. Louis Flamand, directeur du département, pour son leadership aussi avec Marc Ouellet, justement, dans cette belle préparation de cette chaire. Et enfin, le Dr. Marc Pouliot, qui est le directeur de l'Axe maladies infectieuses immunitaires, pour ton rôle dans notre organisation aussi. Sur ce, bonne continuation. Merci beaucoup.